Bonjour tout le monde, c'est Zarakai, bienvenue sur Nanoprod. Alors nous nous retrouvons pour l'épisode 5 de la série Arvern sur le jeu Rome 2 Total War. Nous nous retrouvons donc après la défense de cette cité Burdigala contre la flotte qui était là. Une défense qui avait été assurée par cette armée. Je vous avais quitté au niveau du chargement. Donc il s'est pas passé grand chose après, hein. J'ai juste quitté les messages qui étaient ouverts pour pouvoir sauvegarder. Donc ce que j'ai eu comme message, tradition militaire. Donc hop, on va aller la mettre, hein. Je vous ai attendu pour faire les choses. Contrairement à ce que j'avais dit, j'ai pas fait les choses en off. Talentueux tirailleur, on va faire ça. Putain, couillon. Oui, c'est moi le couillon. Rapport de trait de caractère défenseur confiant en Rix Vif. Donc il a augmenté son trait de caractère. Recherche terminée, elle est faite. Et mission. Oui. J'ai pour mission de... Ah, c'est cette armée-là. Je n'ai pas là. J'ai pas d'armée dans les parages. J'ai tombé tant. On va essayer de faire un truc... Dans l'obscurité. Hop, assassinat. Les corbeaux viendront. Ennemi blessé. J'en ai des témoins. Hop, est-ce que ça suffit? Je. Comment supérieur, merci. Voyez, oh, père, on remarque que l'armée elle est plus haute. On va voir si ça a fait. Si ça a permis de. C'est quoi ça? Servant, oui, d'accord. Je voulais. Hop, plus ça en ruse. Oui, en attendant, j'ai paumé l'auteur. Donc ça c'est fait, ouais c'est toi qui es là. Ça c'est fait. Toi tu me fais peur, je dois l'avouer. Je vis pour servir le peuple de Gaulle. Nous avons besoin de bons combattants. Est-ce qu'on va pouvoir... Je vis pour servir le peuple de Gaulle. De toute manière, j'ai plus de pognon, hein, donc on va partir comme ça. Toi, tu vas arrêter ta marche forcée et tu vas te mettre en normal. Et. Donc 2400 contre 1276. Sachant qu'ils ont énormément de. J'ai un peu de cavalerie, donc ça va. Ils ont énormément de tirailleurs. Donc la bataille que je vous avais promis, la voici. Et on est parti. En attaquant un ennemi avec des troupes à projectiles supérieurs, entrer dans un combat de mêlée aussi vite que possible. Oui, c'est ce que je compte faire. Je ne tiens pas à leur montrer mes fesses pour leur servir de cible. J'ai pas l'intention de faire comme dans le film Braveheart. Ouais, l'homme courageux est plus utile à son pays que le plus intelligent et le meilleur des orateurs. Ouais. Plutôt que de poursuivre l'ennemi pour prendre le contrôle. Sachant que pour la phrase d'avant, ça peut rester à voir, hein. Si le meilleur des orateurs peut permettre de convaincre le plus courageux des citoyens des ennemis, ça peut être valable, on a le meilleur orateur et en plus on a le plus valeureux. Quoi demander de plus, c'est que... Ouais, attends, on va essayer un peu de flotte. Ouais. L'eau. Ouais, de l'eau. Comment c'est le déploiement? Je sais, je suis maso, j'aime bien combattre sous l'eau. Vous pourrez le dire, vous pourrez le répéter, mais étant donné qu'ils ont des plus d'unités de tir que moi, ça m'arrange que ce soit comme ça. Hop, ça, comme ça. Alors écoute, on peut voir comment il est mis. Au moins en partie. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Alors sachant que l'objectif, ça va être de lui poutrer son général pour qu'il me laisse... Tranquille après. Ouais, ouais bon, voilà. Comme ça, hop, toi comme ça, toi comme ça. Formation triangle, et c'est parti, mon kiki. Avance-t-il, avance-t-il pas? Écoutez son cri de guerre, découpez et taillez. Il avance, voilà, c'est terminé pour moi. On va voir jusqu'où il va avancer. Et je
J'aimerais bien avoir la hauteur, moi ça m'arrange. Ouais, on va accélérer tout ça. C'est joli de voir autant d'unités, mais je trouve que c'est quand même sacrément encombrant. Voir que j'investisse dans un écran plus grand, moi, si ça continue. Autant ça doit être qu'un 21 ou un 22 pouces. Vu l'âge qu'il a, ça pourrait être négligeable de penser à le changer un de ces quatre. Faudrait que je pense à voir ce que je peux trouver. Je fais déjà mon PC entièrement à Noël. J'ai rajouté un disque dur il y a pas longtemps, bah, c'est parti du projet de création de ma chaîne. Parce que il me restait plus de 50 gigas sur mon disque dur principal, donc ça commençait à faire un peu limite, on va dire. Cavalerie légère, il est où son général? On va se mettre au ralenti. Histoire de... non, on va pas se mettre au ralenti. Hein. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Dans le cœur, je reviens. Fils de la Gaule, homme libre, des ordres que changer, homme libre en relais, cavalerie d'élite, guerrier, homme libre, prendre. Homme libre en relais! Homme libre! L'unité du jeu! Fait! Homme libre en relais! Combien? L'unité en relais! Prêt pour la bataille! Hop, par là! Toi, t'es quoi? Projectile bagué! Qu'est-ce maintenant? Lance barré! Hop! Libre. Il perd, et ce panneau il me gêne. Attends. La bataille tourne en notre faveur. De Dieu. Noble cavalerie. Notre général se fait attaquer. Enfin, je pense que c'est plutôt moi qui attaque un peu le général adverse. On va continuer la bataille. Interdiction de planter. On va partir sur le principe que la cavalerie légère. Hop. Le général ennemi est mort. Yeah. Bon, tant pis. Hop. Toi, arrête de courir, toi, c'est pareil. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Pas grave, il n'y a plus de combat. Hop, ça c'est fait. Oh, Taillot!
Vitesse de charge, dégâts des charges d'accélération. La vue vous en êtes, vous allez vous en sortir. Normalement, en ayant éliminé votre général, j'ai éliminé votre armée. J'ai pas eu trop de pertes. Donc après ça, on va vous ramener dans le fort. En espérant que la perte de cette armée-là, ça pousse ton collègue à reconsidérer la chose et à dégager son armée. Au choix, on va essayer de négocier un cessez-le-feu, vu que bon, ce territoire m'intéresse pas plus que ça. Ça m'emmerde un peu même d'être en guerre contre lui, mais si après il veut absolument la guerre, bon, ben, moi je vais pas le contredire. Hein. Ça m'embêterait quand même. Ce serait dommage. Lui qui s'y est mis, Veni Vedivici. Je suis venu, j'ai vaincu, c'est ça. Les bannières clignotent dans le signe de faiblesse et indiquent que les troupes sont au bord de la déroute. Utilisez la capacité d'inspiration de votre général pour les faire se battre plus longtemps. Certains types d'infanterie d'élite peuvent également redonner courage. Apprenez à écouter et vous bénéficierez même de ceux qui parlent mal. Plutarque, biographe grec 46 à 120. Pour prendre la nuit par le flanc, bah, comptez-vous sur son côté. Oh merde, c'était pas ça. Oh, hop, un coup dans le casque, hop. Oh, oh, il apparaît. Oh, il apparaît. Putain, il n'a pas fini son armée. Ça m'embête un peu. Pour la tribu. Mettez en place la surveillance. Hein? Tu t'es mis où? Ah d'accord. Bon bah tant pis, on va te laisser là. Toi. Pour la tribu. Tu devrais pouvoir sortir de là. Allez, moins 5, mais c'est quoi cette... Ah, Massia, hein? Je vais être franc, tu me gonfles. Prêt pour la bataille. Voilà. Je suis le poignard dans l'obscurité. Il te reste pas grand chose, toi. Toi, tu... Ces lanciers manquent peut-être de discipline en matière de phalange, mais il ne manque pas de courage. Les falcatas mortels sont des arguments puissants. Dans les mains de ces hommes. 50 dégâts des armes, 46 de défense en mêlée. Tous guerriers. 42 dégâts des armes, 46 de défense en mêlée. 40... Ils sont mieux protégés. 55, ouais, c'est équivalent à mes épéistes. J'espère que cette armée-là, elle va vite. Enfin, ils vont pas attaquer le tour prochain. Oui, ça m'a. Même battre un petit peu. Boots guerrier. La marche forcée. Oui. Hop, t'as une tradition. Défense, siège. Tu peux tirer ailleurs. 3% de dégâts avec des armes. Pas toutes les unités lancent pour utile. Ah bah voilà, on va voir pour faire un peu de diplomatie. Ah oui, non, ma recherche a été terminée. Histoire de gagner un peu plus. Hop. Bon, je disais, on va aller voir pour faire un peu plus de diplomatie. Ah si, ils sont en guerre contre Rome. Je sais pas si c'était déjà dès le début ou si c'est juste officiel maintenant. Donc l'accord commercial avait... L'accord commercial... Carthage, c'est fait. C'est Rome. Expansionniste et sournois, ça m'étonne pas. Confiant et peu fiable. Au nom de la République, bienvenue. République de Ménois, Coco. Inamical. Expansionniste et peu fiable. Je préfère passer mon temps à festoyer et à chasser qu'à écouter. Alors. Et hop. Hey, ils commencent à se séparer, c'est pas mal ça. Hop, un ennemi en moins, ça va se faire ça de moins, ça va être agréable. Oh, ils sont repassés en amical. Hey.
Oui, je crois qu'ils sont pas. Ils sont pas maso. Oh, vous inquiétez pas, on va se les faire un de ces les quatre. Les dieux veulent que c'est je vous juste écoute, pas ma priorité mais ne pour passez le pas la journée sur les... Bon, bah... Pour une fois qu'il y en avait bien qui voulait passer un traité avec moi. Gala ici. Et le gala pas là-bas, gala ici. Parlez donc franchement, sans... Votre marchandise... Okay, les Udéans et les Orvark. Très amical, amical. Faites-moi part de votre sagesse, mais prendrez-vous. Ouais, bon. Ouais, t'es pas d'accord pour m'exprimer. Pourquoi tu veux pas? Je sais, je suis assez pauvre, mais bon. Pas une raison, hein. Ça s'appelle de la discrimination. Nous devons parler, j'en suis sûr. Mais nous avons aussi... Les dieux seraient mécontents. Mais non, je suis sûr que non. Les dieux veulent la réunification de la Gaule. Mon hop, ami, toi, soyez le commercial. Bienvenu. Non, toujours pas. Pas les vivisques, hein. Ils sont hostiles. Guerre contre les vivisques, action militaire contre les vivisques, intrusion contre les vivisques, action militaire contre les volks. Oui, les volks, ça fait longtemps. Guerre avec les volks, il m'en veut toujours. Bah tant pis, ouais. On va te laisser. Je préfère passer mon temps à festoyer. Tu préfères passer ton temps à festoyer? À la bonne heure. Ça me fait une belle journée. La Gaule est notre mère à tous. Et bien étranger un acte de guerre. Mane quartier. Hop. On va aller nous endormir. Bon allez, on va pas. On va pas vous la faire faire. 98, 99, 99. Ouais. Oh, hop, un coup dans le pied. Et on part. Dis pas que. Voyager, c'est la vraie liberté. Prêt pour vos ordres. Ils aiment pas, hein. Bon, au moins, en tout cas, ça t'a fait gagner ça. On va te mettre quoi? Guerrier plus un de zèle, plus un de ruse, plus deux d'autorité et moins 4 sur le coup de recrutement des unités. Ouais, ça me va. J'aime se battre, c'est normal, c'est un Gaulois. Et chef de guerre, c'est normal, c'est un Gaulois. Bon, bah on va passer le tour, hein. on va continuer à la suite, du coup. La Gaule. Bon, bah et voilà, notre voilà, voilà. Mère à tous. Bon, au moins ça va me permettre d'avoir une petite force en attendant de voir ce qu'ils vont faire réellement. Parce que là, bon, c'est pas qu'elle. Elle m'inquiète, mais c'est quand même... Elle me fait me poser des questions, cette armée. L'ancien allié de l'autre, faudrait que je regarde s'il est toujours allié. Il fait quoi? J'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il est en train de me préparer comme coup tordu à la marmotte Kegi? Ouais, c'est ça. Si tu veux... Oui, vous pouvez continuer à vous battre. Bon, tamponne le coquillard. Toi, t'as de grosses armées. Champion de Vodianus, la lumière de Vodianus, armée de garnison, flotte de garnison. Cette fois. Et hop, pique. Non? Je me dis pas que t'as planté. Putain, vous avez pas réussi à tous les tuer.
Voilà. Quand même. Les Vivis n'existent plus. La famille, Sonios, le nom de l'un de vos sujets est sur le lèvre de tout le monde. Le chef d'une tribu vaincue est arrivé sur nos terres et recherche la protection. Il n'est peut-être pas de notre tribu, mais il reste un frère et un vieux. Bon allez, hein, on risque, hop, le protéger. Après tout, on veut réunifier les Gaulois, mais pas forcément, enfin la Gaule, mais pas forcément. Pas forcément par la guerre. Le peuple de Gaulle. C'est quoi la différence de coup? Honorez les dieux et vos enfants. Donc 160 204 c'est le nombre de personnes. 291 et toi. Je vis pour servir le peuple de Gaulle. 88. Oui. Il n'y a pas photo. Tous guerriers. Désolé, hein, je sais, vous êtes fort. Quoi? Chauvinier. Oh. Par contre. Ah! Bah, 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 bah. J'ai du mal à m'y faire, c'est mon temps. Hop, toi tu oustes. Oust, 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 oust. Hop, est-ce que j'ai des choses? La Gaule est notre mère à tous. Je l'ai recruté là, donc. T'as gagné quelque chose, toi? Défenseur confiant. Général. Oui, je sais, tous mes généraux se ressemblent. Tous guerriers. Tu fais peut-être des erreurs, mais... Hop. Chemin. Destination atteinte. Je vis pour servir le peuple de Gaulle. On y va. Hop, toi tu vas me dire ce qu'il y a dans cette flotte. Exactement. Êtes-vous sûr qu'il n'y a rien d'autre? Je vis pour servir le peuple de Gaulle. Quand même, quand même, quand même. J'ai trois unités. Venez, battez-vous pour nous, les gars. Résultat... Hop, voilà, comme ça, je vais avoir deux frondeurs et deux... non, la boîte de dialogue, je m'en contre. Faction détruite, les Vivisques. Faction détruite, les Arvarques. Les Arvarques, c'est pas eux qui étaient là, c'est les étangs, hein. Va falloir que je m'en méfie de ceux-là. Et les aider tant. Rapport militaire, hop, là, c'est fait. Faction rencontrée, Lustia. Ouh, ouais. Ah oui, d'accord. C'est... Je me demandais comment j'ai pu les rencontrer, ça. Bon, bah voilà, voilà, voilà. J'ai plus de pognon, donc je peux pas faire grand chose. Tous guerriers! Je me moque que vous soyez fatigués! Ça tombe bien, moi aussi. Allez, au boulot. Hop, fin du tour. Bah, on va ramener l'armée vers le nord. On va attendre un peu. On va essayer de gagner un peu d'argent pour pouvoir faire continuer à évoluer ma CIA, pour pouvoir me libérer cette armée-là. Je ne sais jamais. Hein. Tant je dis ça, me connaissant, ça va pas me gêner pour recruter des troupes. Enfin, on va essayer d'arrêter de recruter un peu des troupes. Oui, il se barre. Ouais, c'est bon. On va se calmer au niveau des troupes. Par contre, on va essayer de choper Cenabum. Histoire de continuer notre expansion vers le nord. Ah oui, je sais, j'ai fait la paix avec les autres. Je vous ai privé d'une autre grosse bataille. Contre d'autres unités et que des Gaulois, enfin des Celtes. Mais bon, ça reviendra, vous inquiétez pas. J'espère bien être en mesure de faire un pillage sur Rome, un de ces quatre matins. Après tout, on en est qu'au cinquième épisode, qu'on a le temps.
nous avons été découvrir un Britamaros avec un langage basque. Sanctuaire, ses ennemis sont venus à sa recherche et n'étaient pas contents que nous lui ayons fort refaire. Ils ne purent toutefois rien y faire, général. Et on s'en va de soutien des chefs de tribu. J'ai gagné un général ou j'ai... bouger tout simplement. On va voir. Chef ancien, influence 54%. Autre chef. Assassiné. Oh. Ouais, bon, bah, voilà. Ah, d'accord, je pense que c'est grâce à ça que je peux gagner de l'influence. Et l'influence, ça peut, je pense, me permettre. Peut-être pour la diplomatie. La diplomatie, si. Pour la tribu, vous appelez ça une garnison ? Ouais. Et pour vos ordres. Je suis fait, t'inquiète pas. C'est pas si dégueulasse que ça à manger au final. Toi, au niveau de bivrac, tu vas peut-être me dire. Ils apprendront à me craindre. Voyager, c'est la vraie liberté. J'ai des fourmis dans mon épée. À vos ordres, si vous le dites. Je fais une interruption. Termite de mon tamponne de coquillard. Hop. Mes recherches, est-ce qu'elles ont été terminées? Il me reste deux tours. Oui, je sais, je peux me passer de ça. Unité scorpion sceptique. Ouais. Personnellement, c'est sûr que c'est pas ce qui va forcément m'intéresser plus. Moins 4 d'ordre public. Ça me fait du pognon. Mais c'est bizarre que la bouffe, ça. Je comprends pas. Tu fais de la bouffe et les gens ils sont pas contents. Là franchement, il y a des fois où j'ai vraiment du mal à comprendre la logique. C'est quand même assez. Assez impressionnant. Bon, allez, on va aller faire une ellipse. Bon, voilà, fin de l'ellipse. Il n'y a pas à dire. Ça fait quand même pas mal de temps de gagner. Oui, il y a bien 30 secondes au final. Enfin, 30 secondes, quasiment une minute. Radiatorix. Tu vois, j'aurais pas dû me déplacer en fait. Je les aurai. Ma réputation parle pour elle-même. Pour la tribu. Je ne pouvais pas avec ça. 50% de portée de déplacement total d'une face pour assumer son mode. 50% de. Moins 20% de coût d'entretien pour toutes les unités TS. 5% de moins d'histoire de public. 5% de provenance du piège. Implique des pénalités avec la faction. Nous entendrons la lamentation de leur femme. Hop. Un peu de pillage, pillage. Ça fait pas de mal. Alors, je peux faire quoi dans police celtique? Guerrier celt. Ça, ça devrait dire que je crée une étoile. Honorez les dieux et vos ancêtres! Guerrier à la lance. Guerrier celt, j'ai un trou de mémoire, c'est ça? Ouais. Forgeron. La liste. Celui-là. Oh. Infanterie à côte de maille. Celui-là, Saint-Perrier, les guerriers fidèles. Pas les balistes. Dit que si je fais atelier du bronze, que je fais hop, ça. Et ça. Et ça me permet les archers. On va faire. Hop. On va faire les forges. Les forges de pimpons, dis-moi, merde.
Désolé, je m'égare. Donc les forgerons, ça me fait les balistes certiques. Et ça. Ah, je sais plus ce que j'ai. Forgeron, là, ça me fait des balistes, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. C'est après où ça m'intéresse. Minute papier. Je peux les assumer. Et toi, donc, 2000, on peut le tour prochain. Pour la tribu! Le tour prochain, donc, je me trouve d'autres constructions à faire avant. Bon, ben voilà. Ouais, on va faire, continuer à faire un peu de diplomatie aussi. Non, ça c'est les recherches. J'ai dit que pas massé. Rome, Carthage. Pougne. Asseyez-vous, mon ami, et parlons. Buvons du bon vin jusqu'à ce que nous ne puissions plus parler. Action militaire, alliance militaire. Allez. Exiger un paiement, 1000. C'est fou, hein. Tu mérites pas tant, quand même. En plus, ça propose un paiement. 100, voilà. Toi, est-ce que tu veux... Bienvenue, mon digne ami. Toi, est-ce que tu veux... Je vous souhaite la bienvenue au nom du peuple de Carthage. Parlez, mon ami. Pacte de non-agression. Oui, j'ai pas envie de me battre contre Carthage, hein, donc... pour le moment, j'y ai pas d'intérêt. Si on guerre contre les Romains, en plus, ça m'arrange. Si ça peut... Surtout les deux derniers. Ouais, il est guère passé avec Massia. Hein. Soyez les bienvenus, bien que mes ancêtres et mon peuple. Bon, tu veux pas, d'accord. Rome. Oups. Là, j'ai peut-être fait une bêtise avec Rome. On verra bien. Soyez les bienvenus, bien que mes ancêtres. Je sais pas pourquoi il y a des fusions. Au final, l'accord commercial, c'est dans l'intérêt de tous. Les dieux veulent que je vous écoute. Les dieux veulent que tu m'écoutes, mais derrière, tu m'en comprends pas. Il est refusé, hein. Bienvenue. Nous parlerons, puis fais-toi. Ah oui, non, c'est l'alliance défensive, l'accord commercial, c'est le petit truc. Nous devons parler, j'en suis sûr. Mais nous avons aussi besoin de bonne nourriture, d'un feu et de belles femmes. Guerre contre les Cornutes. Bon bah revoilà, désolé de ça encore coupé. Cette fois, c'était pas de mon fait. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un beau retour sous Windows, et puis voilà. Bon, avec ça, c'est pas que le pillage, ça me déplaît. Mais, ma réputation parle pour elle-même. Ça revient à peu près à ça. Prêt pour la bataille. Déclaré la guerre. Ils sont en guerre contre tout le monde autour d'eux. Donc, la guerre, bien copure. Allez. Nous prenons cette colonie pour la tribu. Par contre, laissons le battre en retraite devant nous. Hop, on va continuer à pacifier la Gaule. Hein, parce qu'il faut pacifier tout ça, mais c'est vraiment pour ça important. Dans 3 tours, je pense que je vais pouvoir libérer l'armée ici. Soif de bataille. Je peux recruter des trucs intéressants. Ça m'embête un peu plus.
plus, mais c'est cher. Deuxième. Venez, battez-vous pour nous, les gars. Hop. Ça va déjà être pas mal comme ça. Ça me fait 1200. 1006. Ça fait combien? 2100. Prêt pour vos ordres. 1002, oui, non, c'est pareil, ça. On fera du recrutement la prochaine fois. Allez, on passe le tour. Et on va faire... Oh, bon, non, faut peut-être pas faire une ellipse, hein, vu qu'il va peut-être m'attaquer l'autre azote. En tout cas, il y a un truc qui est pas mal, c'est de... Bah, vous avez vu avec ma... Avec mon truc, enfin mon accord commercial avec Carthage, commence à dégrader mes relations avec Rome. Donc c'est signe de, contrairement aux anciens Rome Total War, enfin les, pour les empires, empire et shogun, je sais pas, comme je vous l'ai déjà dit sur le premier épisode, j'y ai pas joué des masses. Somme, ils m'ont jamais, j'ai jamais accroché plus que ça. Et, donc contrairement au moins premier Rome et au médiéval Total War, le choix de ses partenaires commerciaux, c'est important. On ne peut pas choisir de faire du commerce avec X et Y personnes s'ils ne s'aiment pas. Enfin, on peut, mais ça implique des pénalités de diplomatie. C'est sympathique, et c'est assez proche du réel au final. On peut dire qu'il y a un inconvénient, parce que du coup, on peut pas réellement faire de coups dans le dos. Trésorerie. Péninos. Ouais, mais tu m'embêtes, toi. C'est lequel? Il me semble que de la chance. Péninos, c'est pas celui de Massia. On pose une question. Prêt pour la bataille. Ouais, où c'était celui de Messia, où c'était celui-là. La Gaule est notre mère à tous. Là, franchement. Ah ouais, non, c'est l'homme d'état que j'avais. Alors, ça fait quoi, assassiner, épouser? Ah d'accord, même ça, ça coûte du pognon en fait. Répandre des rumeurs. Ok, d'accord. D'accord. Ouais, on fait... Je comprends certains trucs. Ouais, c'est quand même assez biscornu leur connerie. Ou faut dire ce qu'il est. Puissant guerrier de Gaulle, à l'attaque! Confusion de l'ennemi. Hé! Hey, laissez ce tour tranquille! Prêt pour et faites la attention! Qu'est-ce qu'on a? Hop, genre, il fait un entraînement militaire, c'est sympa. Ouais, d'accord, ça marche comme ça. 4% de chance de le seigneur. Autodéfense, entraînement militaire, plus 20 d'expérience, l'unité, plus par tour. C'est valable, ouais. Faut dire ce qu'il y a, ça reste quand même intéressant. Oh, ouais, bon, bah de ce côté-là, c'est fini. On va passer le tour. Attention, vous voulez mettre fin à... Vous devrez chercher. Oh, ça serait dommage. Ce serait dommage. Moins 10% de coût de recrutement des agents, 3% d'armes, 3% d'entretien dans la durée, c'est valable. 3%. Ouais, non, ça, voilà. Ça paraît quoi. Un 20%, oui, c'est valable. Très valable. Pré-siège, on peut prendre. Enfin, ce sont des charpentiers. Carpentier. Ça, c'est quoi. Taxe sur travail.
intéressant. Tout le monde devrait pouvoir se mettre à l'abri alors que votre chaîne principale. Oui. C'est quoi ta communauté? Enfin voilà. Dans deux tours, ça c'est bon, ça peu importe quoi ça. 3% pour toutes les unités de siège, 3% pour la reconstruction de flotte de toutes les armées. Bon, c'est intéressant. Et moins 3, enfin plus 3% pour le déplacement. Bon bah allez, on avait dit on allait dépasser. Je sais plus parler. On allait passer le tour. Lemonum, il va falloir que tu rentres dans le rang, toi. Enfin, rentre dans le rang, t'es pas sorti. Il va falloir que tu me gères un peu plus d'allégeance, toi, la prochaine fois. Parce que tu commences à avoir une sacrée armée. Tu pourrais m'être utile. Les alliés, c'est toujours bien quand on en a. C'est moins bien quand c'est les autres qui les ont, mais... Pour ça, on va essayer. Bah, j'ai déjà l'alliance défensive. L'avantage, c'est qu'ils vont toujours m'aider si jamais je me fais attaquer. Tu viens par là, toi, qu'est-ce que tu viens faire par chez moi? Bon, bah ouais, si tu veux. La ruine des hommes contre la lumière de Belenos. Et c'est parti. Il a quoi? Ouais. Bon, beaucoup d'unités de tir. Il aime bien le combat à distance, au final. En même temps, c'est peut-être lui qui est, du coup, qui est le plus proche des tactiques réelles. Non pas que je dis que les Gaulois se battaient uniquement à distance, que c'était les meilleurs archers et tout, tralala, loin de là. Je sais même pas si c'était des archers ou dans la normale, ou médiocre, ou au-dessus de la normale. J'en sais rien du tout. Je sais que oui, ils avaient tendance à se répartir un peu les rôles, où un peu comme les hommes libres enrôlés étaient plus souvent des jeunes et des vieillards. En fait, ce qu'on peut considérer comme les hommes libres enrôlés, c'était des gens qui étaient à la recherche de gloire, à la recherche de prestige, ou au choix des jeunes ou des vieillards qui étaient foutus à l'arrière de l'armée pour surtout faire du bruit. Non, j'ai rien de particulier, j'ai pas de nouvelles unités. J'ai pris les hommes. Donc voilà. Guerriers armés de projectiles. Je vais pas dire la liste de la société celte, mais c'était pas forcément ce qui était réjouissant. Unité enrôlée. Celte. Cavalier. Est-ce que je vois l'ennemi? Je vois pas l'ennemi. Donc là j'ai quoi? Comment on va se mettre? J'ai des bois, j'ai des ruines. Let's go. Oui, je sais, je parle en anglais. Très mal. Enfin, ouais, même le français, au final. Ouais, tiens, d'ailleurs, je défends. Je suis censé avoir un point de contrôle, moi, quelque part. Désolé, j'étais planté, plongé dans la contemplation de mes forces. Et de voir l'apparition des forces ennemies, ça fait que okay. Voilà. Soyons honnêtes, ça me laisse tout chose. Peut-être tire par là. Oui, un coup à droite, un coup à gauche, je sais pas ce que je... Je sais aussi que c'est mes unités de tir de force, c'est ce qui me semblait. Connaissant le... Ah non, ils sont intelligents quand même. Prêt au combat et impatient. Rondeur. Unité.
Les hommes sont hésitants. On va aller les aider. Allez, non, pas trois. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Tout à fait d'accord. C'est quoi cette connerie? Merde! Les hommes sont hésitants. Hop, hey. Votre général, il est là. Revenez, nom de Dieu. La mort à cheval. Vous avez plus à gagner qu'à perdre. Putain, non, ils ont quand même fait ça comme mal. Je te tiens. Seul, compris. En arrière, courage. Prêt pour la bataille. Hommes libres enrôlés. Hommes libres. Bon, je l'ai mal, très mal géré, celle-là. Honnête, j'ai fait de la grosse merde. Les hommes sont hésitants. J'ai perdu plein de trous pour rien, et ce à cause de ces trous de tir. Je crois que je vais sérieusement reconsidérer la manière de jouer avec des unités de tir en fait. Que, mine de rien, c'est quand même sympathique. Qu'est-ce qu'on dit ? Enfin, c'est sympathique, non, mais vous voyez tout ce que je me suis pris dans la tronche au final. C'est uniquement à cause de quelques unités. La majorité de son armée. Je crois que si l'ordinateur continue à jouer comme ça, il faudra que je prévoie beaucoup plus de conneries. Parce que là, j'ai fait la grosse connerie d'attendre. D'attendre que l'ennemi arrive alors que j'aurais dû lui foncer dessus. Hommes libres enrôlés. Des hommes. Des hommes. Hop. Hommes libres enrôlés. Dans cette armée-là, c'est pas forcément des armes, des unités de. Cavalerie d'élite. Oui, oh. La cavalerie, vous faites là-dessus. Les hommes sont hésitants. Et je l'ai été encore plus sur ce plan-là. Nom de Dieu, de bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Les hommes sont hésitants. Je m'en doute. Excessivement mauvaise. Je ne vous le cache pas. Cavalerie d'élite. Que je me suis très déçu. Prêt pour la bataille. Ouais, une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Je m'en suis bouffé plein la gueule. Connerie. Déçu. J'ai été mauvais. J'espère que vous m'en excuserez. Lorsque les cavaliers qui sont assez rapides, pensez à rapprocher vos infanteries légères et vos tirailleurs des autres unités de renfort afin d'éviter qu'elles ne soient surprises en terrain découvert. Ouais, putain.
sur 1900 déployés, j'ai eu 1200 pertes. Ouais, c'est efficace les frondeurs. C'est efficace. Ma cavalerie qui a fait le plus de pertes. Ah là, franchement, je suis... Je vais pas dire écœuré, parce que c'est ma bêtise. Mais... Je pense que ça me servira de leçon pour les batailles à venir. Ah ouais. Bon, en même temps, je lui ai fait perdre l'équivalent de mon armée, mais... Oh, Gatoricus. Hop, bouffe ça dans ton bouclier. Allez, anneau de Dieu, coucher, je t'ai dit. Couche panier. Oh, t'as un trou dans ton caleçon. Et on voit tes fesses. Ouais, tu peux t'applaudir. Ouais, non, il me reste des... On va prendre la ville en mode bataille rapide. Et bah, on quittera là pour cet épisode. On devrait faire un épisode d'au moins 3 quarts d'heure, c'est pas trop mal. Ça va être pas mal. Allez, on passe. Ouais, je vais prendre la ville en mode rapide et puis une mort digne. Ah, mon général qui est mort. J'ai pas l'impression. Les épées de Ségomon. Les épées de Ségomon, on va dire, on avait dit de la cavalerie. Hein. C'est ce qui valait mieux que je prenne. On va voir 10% de chance de blesser plus 1 en zèle. 5% de morale pour les arrêts. En théorie, moins 1 de corruption. 1% de pénalité d'orpeux. C'est pas forcément ce qui est le plus terrible. Le moral en moins, ça va. Bon, allez. Mauvais présage. Oh purée, qu'est-ce que tu me veux, toi, beau. Tant dire que la chasse a commencé, le peuple revient de la colère des dieux et il attend que vous fassiez quelque chose pour les apaiser. Un sacrifice, une offre votive, chaque chasseur a besoin d'armes, une offre les inciterait peut-être à aller chasser plus loin. La chasse consiste à chercher des armes, peut-être que tu sais animer les opéras. Hop, voilà ce que ça donnera. Usure, oui. Aiden Gibson. Je le dis en résolution auto. 90, 91, 90. Allez, au saut. Hop, et un bras en moins. Hop, hop. On assomme. Et ça y est, c'est torché. Et on occupe. Sur la tuite, les carnutes. Honorez les dieux. Ouais, en tout cas, je dois dire que oui, j'ai bel et bien morflé. Comme il n'y a pas. Ça, vu de l'armée. C'est Napum, ouais. Bon bah allez, on va se laisser là et merci de m'avoir suivi, on se retrouvera pour le prochain épisode. Au revoir.